vient de commencer. Hey, merci les filles. Non, mais je suis avec le gérant du bar Le Garage. Le gérant, il s'appelle comment? Mets-le. Pardon? Mets-le, comme la bière, mets-le. Le champagne, la bière, finalement. C'est en plein ça. Et toi, t'es? Christine. Tu disais tantôt que c'était ton préféré, pourquoi? Mais Meller, c'est le plus gentil, le plus fin. C'est mon Meller à moi. Comment tu trouves la soirée, so far? Ça va super bien, ça se déroule très bien. Puis j'ai plus de monde que je pensais, puis c'est pas fini encore, on commence à soirée. Ça fait combien de temps t'es géré ici? Ben. Ça fait 5 ans. C'est ça, ça fait 5 ans. Et toi, t'es cliente ou est-ce que tu travailles ici? Non, moi, je suis cliente ici. Cliente ici. Faisais quelqu'un qui l'a. C'est bon ça, fait qu'on se prévoit un bon gros party là. Oui, c'est pas fini encore, là. Ça va continuer, puis il y a encore d'autres plein d'événements dans la soirée, ça va rouler au bout. Puis le monde, je pense qu'ils vont partir d'ici satisfaits, puis ils vont avoir des bons souvenirs de la place. On va poser 3-4 questions. Ils viennent de où ces gars-là parce qu'ils sont cute? C'est. IB puis Music. C'est quoi Music? C'est un club sur Saint-Laurent, numéro 1 à Montréal, c'est écœurant les dimanches. C'est puis vous êtes? Ivy Night Club. Lyle Ultra Club, 2020 Crescent. On est sorti fumer une cigarette puis on est tombé sur un bon vieux chum du garage. Ton nom c'est quoi? Martin Bouchard. Martin Bouchard, puis ça fait longtemps que tu fréquentes le garage? Ouais, ça fait assez longtemps, ouais. Et là tu me disais tantôt là, ça va rocker en dedans. Là. Ça va rocker toi aussi, je pense là. OK, il est reparti. Ben oui. Très bien, on est très bien au garage. Pour répondre à ta question, on est vraiment très, très bien au garage. J'ai pas un mot, le bien. J'ai pas fini. J'ai pas fini. On est très bien au garage parce que c'est un club qui est vraiment chill. C'est pas juste un club de danseuses. C'est un club qui a des couples, qui reçoit des belles filles, des beaux gars. Puis c'est différent de tous les clubs de danseuses qu'il y a au Québec. Je pense que c'est une atmosphère différente. Il y a des belles filles comme toi, puis comme ma femme, puis comme ben du monde qui sont ici. Au garage, c'est une super belle place. Il y a des super belles filles. On a du plaisir, puis c'est super le fun. Bonne soirée. Merci beaucoup, Martin. Toujours au même endroit, le bar sexy, le garage. Et je suis avec Rachel. Rachel, on me dit que tu fais beaucoup d'entertainment. Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup d'entertainment. Genre n'importe quoi. Des promos, peu importe, dans les bars, les restaurants. Peu importe, le Grand Prix, NASCAR, peu importe, je suis là. C'est moi. Oh, et là, ce soir, qu'est-ce qui t'amène? Ce soir, c'est le garage, c'est le 5e anniversaire, c'est un understaff. Il y a 25 clubs qui sont ici ce soir. Ça va rouler, on va s'amuser. Qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Music. Music, baby. Music, c'est là que tu travailles maintenant? Ouais, ben ouais. C'est bon, on me dit que c'est le club numéro 1 à Montréal. Wow, c'est wow. Ouais, pour de vrai, c'est wow. Fait que t'as le gros traitement. All Star, pis toi? Ah, écoute, moi, je suis rendu que je fais des entrevues. mais pas autant que le garage. Le garage est bien mieux. Oh yeah! On vient de découvrir ça, moi, pis toi. Oui. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir? À notre 5e anniversaire, on vient de découvrir le couple de l'année. Moi et toi. On vient de découvrir « Fuck le garage, vive l'amour ». Vive l'amour, c'est... Peux pas mieux dire.